à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site de tirage privé sous la vidéo dans la barre de description. Vous y trouverez des tirages privés, des guidances, mes prédictions et prévisions 2018 pour chaque signe astrologique. Et vous pouvez également commander chaque mois la vidéo de votre signe concernant l'amour pour les célibataires et pour les couples. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça vous permet d'être au courant de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, j'utilise ici mon tarot de Marseille, en l'occurrence les 22 lames majeures, et je rajouterai d'autres lames d'un autre tarot divinatoire. Il s'agit du Golden Universal Tarot, qui est une version du Rider-Waite très utilisée dans les pays anglo-saxons. Donc je vais tirer deux cartes de mon tarot de Marseille et ensuite deux autres cartes du Golden Universal Tarot. Allez, je me concentre sur vous, les poissons, pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 janvier, que vous réserve cette semaine. Les poissons. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la justice. Alors, de façon factuelle, il est vrai que ça pourrait parler d'une décision de justice qui vous serait rendue. Ça pourrait aussi parler de remettre de l'ordre dans votre vie personnelle. Donc, ça pourrait parler de démarches administratives en vue d'officialiser un projet. Donc, ça pourrait parler de signature d'un contrat professionnel. Ça pourrait parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Certains d'entre vous pourraient passer un concours administratif. J'ai ce ressenti que la plupart d'entre vous, vous allez devoir être beaucoup plus pragmatique et faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation en général. Et ça parle aussi de vous débarrasser de choses totalement superficielles pour ne garder que l'essentiel. Vous allez devoir bien peser le pour et le contre avant de trancher une situation ou avant de prendre une décision, car ça parle bien de prise de décision pour retrouver un équilibre, car certains d'entre vous seraient justement en quête d'équilibre. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame, le diable que voici, qui pourrait parler de réussite au niveau matériel et au niveau professionnel. Alors, ça pourrait parler de rentrée d'argent, ça pourrait parler d'une promotion en vue. Donc, n'hésitez pas à demander une promotion à votre hiérarchie. C'est une excellente lame pour les finances. Donc, ça pourrait parler d'un placement fructueux pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça pourrait parler de votre ego. Votre ego pourrait être très présent. Donc, faites attention à être le plus juste possible. Ne soyez pas trop autoritaire. Et ça pourrait aussi parler d'un personnage qui pourrait être trop autoritaire à votre encontre. Ça parle aussi d'éprouver de l'attirance pour une personne en particulier. Vous allez vous sentir très stimulé et n'hésitez pas à écouter vos instincts, à écouter vos convictions qui pourraient vous amener vers une réussite, quel que soit le domaine. Donc je vais rajouter des messages pour la justice. Ah, carte est sortie, qu'avons-nous? Et nous avons une lame majeure, waouh, nous avons la force. Et oui, vous allez prendre conscience qu'il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie, qu'il va falloir faire le ménage dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce qui ne vous conviendrait plus. Ça parle aussi d'utiliser votre force intérieure pour pouvoir atteindre vos objectifs et pour pouvoir surmonter tous ces blocages, tous ces obstacles qui freinent votre progression. En tout cas, il y aura bien une réussite au bout, mais pas sans effort et sur du long terme. Je vais rajouter un autre message pour le diable.
Et nous avons la reine de coupe que voici, un personnage très intuitif et très bienveillant. Donc ça pourrait parler de vous, vous pourriez vous montrer assez bienveillant vis-à-vis de votre partenaire si vous êtes en couple ou vis-à-vis d'amis ou de membres de votre famille. Ça parle également d'un personnage autour de vous qui serait très généreux et qui pourrait vous apporter son aide et son soutien dans tous les projets que vous souhaiteriez réaliser. Ça pourrait aussi parler de votre sensibilité. Alors, si vous avez un projet dans le domaine artistique, ça pourrait aussi parler avec la lame le diable de réaliser ce projet. Votre imagination pourrait être très développée ainsi que votre sensibilité. Donc, profitez de ces énergies. Et ça pourrait aussi parler d'invitation également. J'ai vraiment ce ressenti que vos intuitions et que votre force intérieure vont vous aider à avancer et à surtout prendre une décision qui aurait des conséquences très importantes dans votre vie en général, dans un aspect de votre vie. Voilà mes amis poissons, ascendant poissons et lune en poissons. J'espère que ce nouveau tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite également une excellente semaine et j'espère vous retrouver très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.